Salut l'équipe, c'est Mika Lash. Juste avant que la vidéo commence, je voulais vous inviter à rejoindre en masse ma chaîne secondaire. Je mettrai le lien en description. Vraiment, venez vous y abonner, c'est important. Dessus, il va y avoir très très lourd. Il va y avoir des vidéos exclusives, des vidéos avec un petit peu plus de risques. Mais pour cela, j'attends qu'on soit un petit peu plus d'abonnés dessus. Pour l'instant, on est 30 000. Si on pouvait monter à 50 000, franchement, ce serait énorme. Et comme ça, je pourrais vous balancer du très très lourd. Donc venez vous abonner en masse, je vous mets le lien en description. Salut tout le monde, c'est Mika Lash. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de mon poteau Rivan. Donc n'hésitez pas à aller voir en description, je mettrai le lien de son Instagram. Donc aujourd'hui, on va tout simplement se retrouver pour une vidéo. On va piéger un voleur de scooter. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes en dessous de cette vidéo. Si je vois que la vidéo vous plaît, vous avez beaucoup liké, alors on va dire que si la vidéo atteint 10 000 likes, c'est-à-dire que je pense que beaucoup de gens l'auront aimé. On fera un autre épisode où on essaiera de piéger d'autres types de voleurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel type de voleur vous voulez que je piège. Alors, donc ce que je vais faire, c'est que je vais garer mon scooter dans un coin, sauf que je ne vais pas l'attacher et je vais laisser la clé dessus. Donc il y aura la clé dessus, viens voir, vas-y, tu peux te décaler s'il te plaît. Donc je vais le laisser avec la clé dessus, donc la clé juste là. Sauf que ce que je vais faire, c'est que je vais activer un système magnifique, révolutionnaire qui s'appelle le coupe-circuit. Donc ce qui va se passer, c'est que à cause du coupe-circuit, quand le mec qui va essayer de voler mon scooter va essayer de le démarrer, le scooter ne va tout simplement pas démarrer. Et du coup, il va croire que le scooter est bon pour voler, sauf qu'il ne pourra pas avancer avec. Et c'est donc à ce moment-là qu'on interviendra caché dans les buissons quelque part pour tout simplement lui lancer un petit peu de peinture. Donc voilà, cette peinture à la base, elle était destinée à repeindre mon scooter, mais je me suis dit pourquoi pas s'en servir pour repeindre un voleur. Ça sera utilisé peut-être à plus bon escient, comme on dit. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va tout mettre en place et on va attendre qu'un scooter débarque pour le piéger. C'est parti. Il est en train de tourner autour du scooter. Il y a des gens qui passent, ça doit peut-être le décourager. Il est en train d'essayer de faire démarrer le scooter. On est mort. Ils sont pas les couilles carrément. Il y a plein de voitures qui passent, il essaie quand même de le prendre. Oh, tu sais quoi, quoi, je viens de trouver un scooter et il y a le cul dessus. Mais je sais pas, il arrive pas à démarrer. Ouais, j'essaie de faire tout à l'heure, mais je sais pas, il démarre pas. Reste bien avec un camion, viens avec un camion, il est prêt. C'est bon ? Ouais, vite, je suis au mon bourreau. C'est bon, vas-y, à tout de suite. Oh putain, j'en suis partout. Viens. Oh putain, j'en suis partout, regarde. Attends, j'ai des yeux. Je me casse. En plus, j'ai de la peinture partout, gros. Je l'ai bien touché ou pas? Ouais. Oh merde, mes chaussures. Au moins, là, il est tout neuf. On lui a mis la double couche, la triple couche, triple épaisseur. Vas-y, viens, on bouge. il est encore là, regarde. Vas-y. Oh, oui. Okay. Oh, c'est ouais. Vraiment. Oh, mais ça va, mec? Allez, comment elle est, la carrosserie, mec? Si. Ah, la carrosserie est à neuf, là. Oh, comme il s'est ramassé, t'as filmé comme il s'est ramassé. Oh, le pauvre, ça m'a fait de la peine.